Améliorer la chirurgie ambulatoire, ça n'empêche pas que la chirurgie classique reste en place. C'est même. C'est pas. C'est incompatible. C'est pas incompatible. Il y a une marge. Voilà. Il y a 400 actes, je peux aller, je peux domine. La chirurgie ambulatoire, on peut l'améliorer. Pourquoi ? C'est comme si on ferme la chirurgie ambulatoire va s'améliorer automatiquement. Il n'y a pas de lien. Si on pouvait améliorer la chirurgie ambulatoire, on l'aurait fait depuis 4-5 ans, depuis 6 ans. Donc, ils sont aussi chirurgiens qui vont venir faire de l'ambulatoire. Moi, ce qui moi, comme je dis toujours, j'ai un métier dans les mains. Là où j'y vais, je vais travailler. Ce qui me chagrine trop, c'est la maman avec un petit qui arrive à 10h du soir à l'hôpital de Sarlat et qui n'a pas grand-chose. Il faut un avis spécialisé et on lui dit, bah, écoutez, là, il n'y a pas de spécialiste, il faut aller à Périgueux à 10h du soir, faire 2h, attendre là-bas 2h et revenir. Et ça, ça me fait mal au cœur. Deuxièmement, personne âgé cassé, on fait entre les chevilles et les hanches, on fait au moins 250 par an. Ceux-là, ils vont être transportés dans des conditions lamentables pour arriver à Périgueux et attendre qu'on les perd de la colle. Ils collent les chevilles, on fait 200, cheville, plus que 250. Personne âgée. Ceux-là, ils vont être. Pourquoi plus aller prendre en charge à ça là. En pays. Et pas seulement parce qu'on a le bassin de 80 000. Voilà, ça, ils ne l'ont pas compté. Je leur ai posé la question. Le déficit de 200 000 de la chirurgie, vous allez le mettre dans le transport. Ils me disent non, 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 ça n'arrivera pas à ce chiffre-là. Est-ce que le rapport fait l'impasse sur justement la chirurgie ambulatoire? Où est-ce qu'il en parle? Oui, il en parle. Oui, il en parle. Il en parle. Il dit que bon. Oui, il faut développer. C'est une évidence. Il faut développer aussi. Il faut quand même. Alors, si on a un problème de Sarlat, c'est qu'on est loin. Je crois. Il faut aussi qu'on se replace bien dans le contexte où l'hôpital de Sarlat aujourd'hui, la direction de l'hôpital de Sarlat, c'est celle de Périgueux. Que le développement de la chirurgie ambulatoire ne peut être fait que par des praticiens venant de Périgueux. C'est ce qu'il voudrait. C'est ce qu'il voudrait. Avec... Parce que en fait, le rapport a été fait en novembre, envoyé à la direction le 18 janvier. Le directeur intérimaire d'Aglom a écrit le 7 mars pour donner lui ses préconisations qui sont ce qu'on voit qui sont faites appliquées maintenant. Mmh. Alors que ce rapport n'a jamais été publié. Mmh. Donc en fait, tout ce qui a été dit concernant la chirurgie. Jamais le jour, parce qu'en fait tout ça c'est caché. Parce qu'on ne veut pas, c'est un camouflet pour l'administration de l'hôpital. Quoi. En fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas entendre parler. On ne veut pas entendre parler parce que c'est tout à fait le contraire de ce que qui est en train de se produire actuellement. Quoi. La fermeture de la chirurgie, sur le fin continu et d'un peu la maternité, parce que la maternité est en sursis. 1 300 000 euros de déficit.